Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salut à nouveau, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'heure est grave au Tchad. Ce qu'on redoutait le plus est en train de se produire au Tchad. Ce dont on avait peur est en train de se produire au Tchad. Une crise post-électorale sans précédent risque de se produire au Tchad. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas pour le peuple tchadien. Oui, on ne le souhaite pas du tout. Mais la situation face à laquelle nous sommes démontre à suffisance que le peuple tchadien est déjà plongé dans cette situation. Le candidat succès Masra vient de s'autoproclamer vainqueur. Et avant même qu'il s'autoproclame, vous avez déjà des médias et des analyses qui sont sorties le déclarant vainqueur dès le premier tour avec 59, et quelques pourcents. Oui, la situation se complique. Pendant que la commission, n'est-ce pas, l'institution qui a la charge de l'organisation des élections, dit, a déclaré, n'est-ce pas, Déby Kaka élu provisoirement. Et les médias occidentaux ont commencé à relayer et à le soutenir. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Que dit réellement Succès Masra? Que disent d'autres sites, d'autres médias tchadiens crédibles d'information? Que dit le peuple tchadien par rapport à cette situation? Évidemment, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et surtout, cliquez sur suivre pour vous abonner à la page pour ne plus rater nos vidéoconférences. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Tchad ne mérite pas ce que le Tchad risque de vivre. On ne le souhaite pas pour le Tchad. Oui. Donc, on a vu Succès Masra entrer au pays, collaborer avec Déby Kaka. Il a même été nommé Premier ministre. On a vu les deux partir battre campagne. On savait tous que Déby Kaka allait tricher. Nous avons fait plusieurs émissions là-dessus. Plusieurs spécialistes, plusieurs analystes ont confirmé que Déby Kaka allait tricher. Et évidemment, il allait tricher. Alors, lorsque, juste après la déclaration de Déby Kaka par l'ANGE, l'Agence Nationale de Gestion des Élections, je ne sais plus si on va l'appeler ange ou démon, Succès Masra sort. Il se proclame élu. Il se proclame vainqueur. Et il dit des choses qui vraiment nous laissent perplexes. Qu'est-ce que Déby Kaka dit? Du moins, Succès Masra. Donc, dans son discours, il se proclame président élu. Et exprime ses inquiétudes, n'est-ce pas, concernant l'intégrité du processus électoral. Oui, voici ce qu'il déclare. Il dit « Ce que nous redoutions est en train de se produire. Ce petit groupe se trompe sur les résultats des élections. » Quand il parle de ce petit groupe, il veut parler de l'ANGE, l'Agence Nationale de Gestion, n'est-ce pas, des élections au Tchad. Je ne sais pas si on va l'appeler démon ou on continue à l'appeler ANGE. Il continue. Donc, il dit, ce petit groupe se trompe sur les résultats des élections. Nous savons tous qu'ils veulent voler au peuple sa victoire. De l'autre côté, il faut noter que le site d'information tchadien qu'on appelle Tchad One, qui est un site très crédible, avait rapporté, n'est-ce pas, que selon les résultats de scrutin, Masra avait remporté les élections présidentielles dès le premier tour avec 59,28% des voix. Ça avait été annoncé par un site très connu. Et évidemment, juridiquement, ce n'est pas au site de donner ces informations, c'est à l'agence nationale. D'accord, mais en pareille circonstance, politiquement parlant, démocratiquement parlant, toutes les entités qui ont la possibilité, évidemment, de procéder à des analyses, des résultats, procéder à des compilations des résultats, peuvent le faire et donner leur avis. C'est ça aussi la transparence, n'est-ce pas, dans le cadre du processus électoral.
C'est ça les sondages. D'accord? Donc, cette information qui a été donnée par Tchad One est appuyée par une analyse rigoureuse de milliers de procès-verbaux. Tchad One ne s'est pas levé comme ça pour donner l'information. Plusieurs milliers de procès-verbaux ont été analysés. Et donc, c'est à la suite de ça qu'ils disent qu'il a remporté avec 59,28% des voix. Or, on se souvient encore, lorsque l'ANJ, l'Agence nationale de gestion des élections, avait interdit, formellement interdit, aux représentants des partis politiques de photographier les procès-verbaux, nous avions tiré sur la sonnette d'alarme ici, en disant que l'ANJ, n'est-ce pas, l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad, préparait une véritable mascarade. Or, laisser la possibilité aux représentants des partis politiques dans les bureaux de vote de photographier les procès-verbaux, c'est une preuve de transparence et cela permet de compiler rapidement les résultats et d'avoir une idée générale sur la tendance des résultats des élections présidentielles. Ça avait été interdit, ça n'a pas été fait. Mais malgré tout, ils ont pu accéder, n'est-ce pas, à des procès-verbaux et voici le résultat qui sort. Donc, selon le site, n'est-ce pas, ainsi que le soutien, n'est-ce pas, de satisfaction et des observateurs de la société civile, Dr Massra, Succès Massra a nettement devancé le président Déby Kaka. Et donc, selon ces résultats, Déby Kaka aurait obtenu 14,36% des suffrages. Voici les résultats qui ont été donnés. Voici la version du camp qui soutient Succès Massra. Alors que l'ANJ déclare déjà Déby Kaka élu dès le premier tour, avec 61 et quelques pourcents des suffrages. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle va être la suite? Déby Kaka, d'abord, c'est un militaire. Il a l'armée avec lui, il est déjà installé au palais depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, depuis hier nuit, toute la ville de N'Djamena est militarisée. La situation devient très inquiétante pour le Tchad. On ne peut que prier pour le peuple tchadien, demander à Dieu le Tout-Puissant d'assister le peuple tchadien, mais cette situation est compliquée et nous allons continuer de la suivre et nous allons à chaque fois venir ici analyser ensemble et décortiquer. Merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.